Hey, salut tout le monde, c'est quoi Moingus et bienvenue sur Pro Cycling Manager 2015 pour la carrière suivie Team Arkham Pro Team Aeroflot. Nous sommes le 19 mai 2018, nous sommes sur le Giro Italia, 10ème étape. Et aujourd'hui donc, il aura donc, que je ne dise pas bêtise, la 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 10, 11, 10 à 15, ok. Alors, on va venir, hop, hop, voilà. Étape 10, une étape de montagne, oh, youpi. 11e, étape de vallon, bien sympa. 12e, du plat. 13e, du vallon de merde, mais c'est pas grave. 14e, de la montagne, encore qui ressemble un petit peu à celle qu'on va jouer maintenant. Et enfin, la 15e, une autre étape de montagne avec un gros col à la fin, ça va être sympa. Voilà un petit peu où nous en sommes. Au classement général, nous sommes 2e avec Vincenzo Nibali. 6e avec Mono Mother. 5e avec Diego Ulissi, les Italiens sont au rendez-vous. Michel Katoski qui est leader, mais il va craquer, hein, c'est évident. Simon Yates, je ne connais pas ses notes, non, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout sur Giro Italia, nous sommes bien placés avec Nibali, et certes à 2017, mais Katoski ne résistera pas à, hein, ce genre de montée, il ne pourra pas lutter, c'est évident. Donc voilà, c'est tout bénef pour Vincenzo. On attend, hein, quand même, c'est sa première course en vidéo, hein, Vincenzo quand même, donc ou deuxième, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas grave. Arnaud démarre là, oui, que je regarde mon équipe, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, donc du coup, mon équipe, c'est qui l'équipe pour m'aider à mes montagnes. Il y a Mentiès et Koenig, hein, pour la montagne, il y a Mentiès, Koenig, et puis les autres, ouais, les autres c'est plus pour rouler, ouais, c'est plus pour rouler, quoi, ok. Bon, bah voilà, écoutez, bah, c'est parti, pour le Giro Italia, oui, je sais, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, hein, ces derniers temps, je l'ai déjà dit dans ma vidéo abonnée, mais voilà, j'ai pas le temps, hein, entre le boulot et tout le reste, j'ai pas le temps, et puis bah voilà, YouTube c'est pas non plus ma vie, hein, vous le savez, hein, même si à une époque je faisais 2 vidéos par jour, tous les jours, bah oui, mais les choses ont changé, les choses évoluent dans la vie, puis dans la vie il faut évoluer, il faut avancer, il faut évoluer, il faut progresser, il faut pas stagner, il faut pas se dire, oh c'est cool, les vidéos YouTube c'est sympa, c'est fun, bah non. Si je gagnais 1000, 2000, 3000 euros par mois, oui, j'arrêterais tout et je ferais que des vidéos YouTube. Ou plus, bien sûr, mais voilà. Mais c'est loin d'être le cas. Je gagne entre 10 euros et 50 euros, 60 euros quand tout va bien. Et encore, la moyenne, c'est 15 euros, quoi, on va dire. Donc voilà, donc je ne peux pas arrêter de faire ce que j'ai à faire, moi, dans la vie de tous les jours. Hein, donc il faut bien faire quelque chose. Et voilà. D'ailleurs, même fait papier par rapport aux abonnés. Voilà, on est monté à 3018, puis d'un seul coup, on est redescendu à 3005 abonnés. Là, on est à 3008, voilà, ça stagne, ça c'est bizarre d'ailleurs, encore une fois, mais c'est pas grave. Allez, sur ce, c'est parti. 10ème étape du Giro d'Italia. Let's go, à tout de suite. On se retrouvera bien sûr pour la montée finale, hein, pas avant, ça ne servira à rien. Allez, à tout de suite. Il reste 23 km 25 pour nous sur cette 10ème étape du Giro d'Italia. Mais oui, nous ne sommes pas encore en bas de la côte, j'avais dit que en bas du sommet, mais non, en bas du col, mais non, mais non. Duarte est devant, 3 minutes 40 d'avance. Mes coureurs à moi sont en auto, les autres, vous le voyez. Alors, j'ai fait une protection là d'équipe totale, hein, c'est-à-dire que un tel protège un tel, protège un tel, qui protège un tel, qui protège Vincenzo Nibali. En gros, c'est Ulissi, Koenig, Mentiès et Nibali. Je n'aime pas trop faire ça, vous le savez en général, mais je me suis dit, bah allez, pourquoi pas quand même là, faut voir. Faut aussi voir où est-ce que le maillot rose est, donc il est présent, c'est bien, mais attention, voilà, quand même un qui chute, alors que c'est plus vénère, chuter aussi tout à l'heure, hein, voilà. À voir maintenant ce qui va se passer, hein, tout simplement, est-ce que le maillot rose va résister ou pas, il a combien de montagnes, 77 je crois, 76, 77, 79 peut-être, je sais pas, d'ailleurs, il est où. Haru est 82, mais lui, il a 84, voilà, Ketoski, putain, j'arrive pas à cliquer, tu... Michel, putain, j'arrive pas à cliquer dessus. Ah voilà, il est là. 76, c'est ce qu'il me semblait. 76, voilà, il résistera pas. C'est couru d'avance. Hein, ça, il va perdre son maillot rose. Maintenant, c'est à voir est-ce que Vincenzo Nibali va pouvoir, lui, faire quelque chose par rapport à Haru, tout ça, quoi. Haru, il a 2 minutes de Nibali, au classement général. Hein, 4 et quelques, machin, 2,17, donc voilà. Mais c'est évident que la Michel Katoski ne résistera pas à la montée, hein, ça c'est évident.
Non, je vais juste me replacer devant. Voilà, attention, la montée finale bientôt. Il reste 11 km 700 parcourir. Voilà, on va commencer déjà à rouler un petit peu là. Attention, attention, voilà, c'est sur du 8% sur 10 km 500. Voilà, bah, voilà, c'est parti. Et ça attaque. Ça attaque avec le Lavandier, avec Guerrero. Ok. Et ben c'est parti, on va pas rouler maintenant, je me place hein, plus qu'autre chose hein, avant que ça monte. Voilà, maintenant c'est parti, la montée elle est là. Allez les gars, courage. On va mettre le gel déjà pour Diego ici, voilà, parce que Diego ici va vite être crevé. Voilà, maintenant là c'est. Ben, il faut y aller, hein. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, simplement. Et Paul Koenig aussi va mettre son gel maintenant, car je vais augmenter l'allure. Voilà, un petit groupe de 10 coureurs, Katoski est présent. Et voilà, c'est fini pour Diego Ulissi déjà. Oui, bah c'est normal, hein, Diego Ulissi, c'est pas non plus de gros grimpeur. Hein. On compte sur Koenig, vas-y, bloque-moi, toi, le MTN, le CLC de merde là, enculé. Putain, sans déconner. Voilà, écoutez, maintenant, ça va être le boulot de Mentiès, hein, de voilà, Mentiès. Nibali est protégé par Mentiès. C'est qui à droite? Yates, oh, note de Yates, tiens, parce que du coup, Simon, je connais pas ses notes. 80 montagnes tout de même, hein, le petit Simon. Allez, il faut y aller. Il est encore là, Katoski, hein, il est encore là, il est encore là. Ouais. J'essaie donc d'augmenter un tout petit peu l'allure là pour voir si ça suit ou pas derrière. Et ça ne suit pas, a priori, là. Ça ne suit pas. Eh oui, c'est à Katoski de rouler, là. C'est à Michel de rouler. Mais Michel, 116 montagnes, il ne pourra pas résister longtemps. Ça, c'est une évidence. Le bloc, merci pour Mentiès. Du coup, Mentiès a perdu un petit peu de temps. Et du coup, il va devoir faire un gros effort, voilà. Katoski qui essaye de revenir, mais là, il se crame pour rien. Hein. Il se crame, hein. Je vous le dis tout de suite, là, c'est mort pour lui. Voilà, Nibali qui fait un gros effort maintenant. Merci à toi, Mentiès, t'as fait un gros boulot. Merci, merci, merci. C'est qui que ça? C'est Adam. Ben, les frères Yates sont là, mais il y a Adam et Simon. Hein. Allez, Nibali qui peut les remporter une victoire d'étape là. Il peut gagner l'étape. Il va le faire, oui, il va le faire tranquille, je pense. Ouais, facile. Facile pour Vincenzo Nibali. Le mec m'a essayé de me bloquer là le. Voilà, victoire de Vincenzo Nibali! Yes! On met pause. Bon, je mets pause, oui, non, mais juste un instant, juste pour voir que Haru est là. Derrière Quintana est là. Et Katoski, il est là quand même. Il va perdre qu'un, même pas, il va perdre qu'une trentaine de secondes. C'est assez ridicule, le mec, la 76 montagnes, j'ai 82. Et le mec, il perd que 30 secondes. Bon. Mais bon, c'est une victoire pour l'équipe Petemarquin Pro sur ce Tour d'Italie, sur ce Giro. Donc on voit que les frères Yates se font 6-7, hein, solidaire les gars. Kennedy sont de 8e, pas mal. Maxime Le Lavandier, 2e de l'étape. Mentiès, 9e, bien joué. Arrête d'en là aussi. Oui, c'est un peu ridicule, hein, 76 montagnes. Certes, il a le maillot rose, donc ça le booste, mais quand même, quoi. Bon, okay, c'est l'extrême, hein, je sais pas, mais voilà. Donc Annibali, belle victoire d'étape pour lui. Sur son tour, bien joué mon petit Vincenzo. Bien joué, bien joué, bien joué. Du coup, c'est notre classement général. Bah, bien sûr, on revient un tout petit peu. 1 minute 31 d'avance. Simon Yates de 40, 4. Ouais, après, il y a quand même des écarts qui sont assez imposants. Mais voilà, Michał Kasuski qui résiste pour l'instant, mais il ne restera pas longtemps, ça c'est sûr. Allez, rendez-vous maintenant sur cette 11e étape du Vallon avec une belle grosse bosse ici pour finir. Je vous retrouve donc tout de suite et je vous dis bah oui, enfin, non, mais je vous retrouve tout de suite donc bah à tout de suite, allez. 11e étape du Giro. 26 km de l'arrivée sur cette 11e étape du Giro d'Italia. Et ça attaque un peu dans tous les sens là, j'ai envie de vous dire. Ça attaque un peu dans tous les sens. Donc on va rouler là parce que du coup. Ouais, non, ça attaque un peu n'importe comment là. Et Morano Moser aussi va rouler du coup. Voilà. On garde nos amis, nos trois compères là. Voilà.
Plus 4 pour Vincenzo Nibali, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On est en recul un peu avec du Vincenzo, ça a rien que devant Vincenzo. Oui, non, non, mais Vincenzo, Vincenzo, merci, recule un petit peu s'il te plaît. Ça sert à rien de tout devant là, voilà. Nous ce qu'on veut c'est vraiment, voilà. C'est plus Vedel qui a marqué des points en tout cas, pour la montagne. Hein. Nickel, c'est ce qu'on voulait. Vous allez me dire, mais quoi, mais tu roules sur Sepulveda? Non, je roule sur les échappés de devant, surtout là, les ceux qui sont partis avant. Voilà, je ne roule pas sur Sepulveda en particulier, c'est juste que, bah voilà. Là, Sepulveda il va arrêter de rouler vu que maintenant, voilà. L'écart entre le peloton et l'échappée diminue. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. Voilà, Sepulveda est là, c'est bon. Le peloton vient de reprendre les Et maintenant, échappées. Sepulveda il va Exactement 15 rouler. kilomètres avant l'arrivée. Ouais, il va rouler. Nous sommes plus que 60 hein, dans ce petit peloton. Hop, voilà, les 4 sont là. Et puis là, bon, on va se battre, on va se bagarrer pour la victoire finale, hein, les gars. Nibali a quand même plus 4, hein, ça peut être sympa. Plus 4, il a combien en vallon 77, ouais, c'est sympa. Donc là, on roule pour éviter les attaques, hein, tout simplement. On roule pour pas que ça attaque de trop. D'ailleurs, attendez, parce qu'on va pas faire ça, on va faire ça. Moreno Moser, ça, voilà. Vous allez rouler. Tranquille les gars, voilà. Les coureurs Il reste plus que 10 entrent dans les bornes. 10 derniers kilomètres de l'étape. Voilà, même si ça attaque, tant pis. Maintenant on est bientôt dans la montée finale, le petit col là. On va se replacer à l'avant. Hop là, voilà, parfait les gars. Merci, parfait, parfait, parfait. Et c'est pas encore parti, hein. On va pas se presser maintenant. Voilà, on va quand même se placer maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, il reste plus que 7 km à parcourir. Mentiès, Ulissi et Nibali vont faire le gros du travail. Allez les gars, on y croit. Alors qu'on voit rien du tout avec les arbres, je suis désolé, mais je sais plus rien. Alors que ça veut attaquer là. Non, c'est pas moi qui le bloque, les gars. Moi je ne fais rien. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. Attaque de Haro, fin de l'échappée. Le groupe vient d'être. Allez les gars, allez Vincenzo, t'es où Vincenzo avec ton plus 4 là? On passe à droite, on passe à gauche. Allez, allez, mets-toi la dernière petite bosse là. Allez les gars, on y croit. On va faire un sprint à 3 les gars, hein, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est parti les enfants. On voit rien du tout. On ne voit absolument rien du tout de cette étape là. Oh ouais, mais c'est n'importe quoi là. Là, c'est tous les trois ensemble. Victoire de Romain Bardet, de Makatoski, Adando, yes, Aurélie Sonnaru, Quintana, yes, oh, de la merde. Déjà, on voyait rien du tout avec tous ces putains de bâtiments, d'arbres et tout ça, donc c'était dégueulasse. Puis après, nos coureurs n'ont pas pu se. Enfin bon, c'est pas grave. Le dernier, c'est Cameron Mayer d'un Team Arkham Pro. Hein. Et bah, c'était lui le dernier, bah, il bêtait, hein. Il est blessé. Il est malade, il est blessé, il a la chiasse, il a tout ce qu'il veut, tout ce que vous voulez. Victoire en tout cas pour Romain Bardet, ça fait quand même plaisir. Victoire française, regardez-moi ça, mes trois gars sont bloqués derrière là, comme des grosses merdes. Plus 4 pour Nibali sur une étape de merde comme ça, franchement c'est dégueulasse. Hein. Voilà, c'est dégueulasse. Mais bon. Classement général inchangé, hein, avec aussi quand même 3 abandons. Nathaniel Béran qui abandonne et Marc Gauss. Kadoski, bon voilà, bon il reprend 4 secondes, je crois, comme ça. 1,37, c'est bon, c'est tranquille. Allez, 12e étape, c'est du sprint, je crois, oui, c'est ça. 120 km de sprint, et bah c'est parti, écoutez, let's go, le Giro Italia, ça continue sur la vidéo de quoi, Magus? Mais pourquoi je le dis? On se dit bien que c'est ma vidéo. Allez, bah. 20 bornes à parcourir encore, et. Plus 5 pour Nibali. Je suis extrêmement heureux. Plus 5 au Nibali, là franchement je suis. C'est magnifique. Oh non, non, mais là, non, franchement c'est. Ce jeu est génial. Quoi, m'arrête de dire que c'est le jeu? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre là, franchement? Ce jeu est génial. Plus 5 au Nibali sur la table de sprint. Oui, non, non, mais attendez, je ne peux qu'être heureux là. C'est superbe, hein. Franchement là, rien à dire. Rien à dire.
Allez, Nibali, bah du coup, il va quand même suivre Van Poppel, hein, Van Poppel qui sera le sprinter de l'étape. Puis Mengez qui va suivre Nibali, allez, pourquoi pas. Il y a du vent, donc je me dis pourquoi pas, ça se trouve, il peut y avoir une petite cassure de fête. D'ailleurs, nous ne sommes plus que 60 coureurs déjà, donc voilà. C'est Pulveda est devant, mais il ne roule plus car il s'est fait enculer tout à l'heure, donc voilà. Ah bah oui, bah ça arrive hein, de se faire, voilà. Voilà, c'est bon, on ne me gêne pas, c'est bon. Allez, 10 bandes de l'arrivée. Les coureurs approchent de l'arrivée, ils viennent de franchir... Il n'y a plus de difficulté, hein, c'est en légère descente même, donc c'est parfait. Bon, Nomoser va même accélérer maintenant. Aussi un ton gel. Arnaud démarre aussi. Allez, c'est un tour maintenant de... Oh là, nous ne sommes plus que 7. Ah ah. Mais oulala, là là, d'accord. Ah non, ça revient derrière. Ça revient vite fait derrière. Allez, Arnaud démarre qui lance le sprint. D'accord, nous sommes que 5. C'est parti pour le sprint final. Qui va être le premier sur la ligne aujourd'hui? Allez, Nibali qui va en profiter. Bah oui. Là, il y a le mec qui suit Van Poppel. Eh bah oui, Bonivasio. Allez, le con s'est finiqué là. Parce que là, j'ai mal géré mon truc, moi. J'ai mal géré, mais en tout cas, au niveau du temps, c'est parfait. Parce que là, du coup, alors, me dites pas qu'ils vont être au même niveau que nous, là, Katoski et tout ça, là. Ah, si, Katoski, si. Ouais, étape de sprint, et c'est vraiment bizarre, hein. Waouh. Bonivasio, Nibali, Van Poppel, Katoski, Zabel, Demar, Yates, Mentiès, Kernelsen, Quintana. Étape bizarre, hein. On a voulu jouer au plus malin avec... et bah, on s'est finiqué. Voilà, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, 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 c'est pas grave. De toute façon, Bonivasio aurait gagné. Est-ce qu'il aurait suivi, Van Poppel, voilà. Alors oui, du bruit, je mange, enfin je vais grignoter un hot spicy, un Pringles hot spicy. Attention. Je reviens, oui, j'ai mangé mon petit Pringles. David et Balerini et Chenoumov qui abandonne, dommage. Mais au général, bah ouais, ouais, ça. Nous sommes trois en même temps, les autres perdent une minute quasiment, 55 secondes. C'est pas mal ça. Allez, 13ème étape maintenant, du vallon avec un final très sympa, le reste de la merde, mais jusque-là c'est sympa. Et bah c'est parti, tout de suite, allez, let's go. 13ème étape du Giro Italia. On se retrouve à 55 km de l'arrivée. Bah oui, 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 j'ai envie. Tous mes coureurs sont en automatique. Oui, j'avais envie, oui, parce que vous savez que maintenant je les laisse en automatique. Hein, quand je ne les gère pas, mais là, du coup, hop, 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 voilà. On va les gérer un peu plus, là, maintenant. Voilà, c'est la montée. Et comme à chaque fois, sur le vallon, c'est chacun pour sa gueule. Bah oui, c'est comme ça. On va suivre Nibali, quand même. Chacun pour sa gueule hein, dans l'étape de vallon, oui, ben, c'est un grand tour, oui, je sais, ce n'est pas une classique, oui, je sais. Mais j'ai envie, voilà. Il y a un Offredo, hop, 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 Offredo qui est devant, apparemment. Apparemment, il y a un Offredo qui est devant. Et oui, il est devant, oui, bah, il y a un est devant. L'équipe vont être chamboulées. Oh là 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 là, énorme chute au sein du peloton. Les coureurs ne sont pas tous... On a tous roulé, sauf Mentiès qui va attaquer. Non, 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 Mentiès. Arrête de me péter les burnes, c'est attaquer que je veux, c'est pas sprinter. Profiter que, voilà. Hop là, ça va bloquer un peu là, voilà. Maintenant, est-ce qu'elle peut partir tout tranquille? Voilà, c'est parti. Et d'ailleurs, ça va devoir rouler. Hop là, on va suivre. Hop là, voilà. Allez, mon petit Mentiès.
on compte sur toi, toute la nation te regarde. Toute la nation sud-africaine te regarde. N'importe quoi. Johan Fredo! Et c'est 4 scopers 5 qui roule! Et on se fait lâcher là même! Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe là? Ils sont partis devant les gars et. D'accord. Bon, c'est fini qui est là. En ce moment, on a des choix tactiques bizarres là. Team Arkham Pro, oui, je vous l'accorde. Ils sont très bizarres les choix tactiques en ce moment. Nibali, là il a pas plus 5 hein. Ah bah non. Bon, ça va pas servir grand chose depuis plus 5, mais voilà. Non, mais là on a quand même des choix tactiques assez bizarres à la Team Arkham Pro en ce moment. On fait pas les bons choix, tout simplement, on fait des choix un peu bizarres, voilà. Mais c'est pas grave, allez, on y croit. Il reste 37 bornes encore, on n'est pas à l'arrivée, hein. Parce que je vous ai repris très tôt, là, dans la vidéo, dans la course, donc du coup, voilà, mais on est très très loin d'arriver, hein. Ouais, c'est bon, on revient là avec Moreno Moser qui va même protéger Vincenzo Nibali au final. Hein, ça sert à rien qu'il roule pour rien, lui. Voilà. On est là. Nous sommes présents. Mais chacun ce qui est devant, hein, donc faut pas se tarder. Voilà, il faut rester vigilant. Mentiès est présent. Voilà. Nous sommes revenus là dans le groupe de tête avec Michel Kwiatkowski. Diego Ulissi est là aussi. Ça rime, c'est beau. Bien joué Diego, tu es revenu. Attends, temps pour donner les bidons, c'est parfait. Une étape mouvementée, une étape où on a fait un peu de la merde dans le sens où voilà et... Et du coup, derrière, mes petits camarades, vous allez rouler tranquillement en automatique. Voilà, ping, en auto. Voilà, et on s'en met devant. Bon, bah c'est pas mal ça, c'est pas mal. Du coup, les Astana qui roulent. Ce n'est pas pour Nibali ne pêche chez Astana, Nibali. Nibali, je suis trop con. Kwiatkowski, il est chez qui déjà, Tinkoff? Non, TGA c'est quoi? C'est Team Giant? Ouais, je crois que c'est Team Giant. Ouais, ça. Le leader est à terre. C'est le tour chute de Mikel Landa. Oh là 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 là, chute de Johan Ofredo. Johan Ofredo qui chute. Oh là 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 là, attention, Johan Ofredo s'est pris un poteau, s'est pris un panneau dans la montagne, dans les vallons. Il s'est pris un panneau. C'est con. Merde. Ah bah merde, Johan, alors. C'est con. Oui, je sais, c'est très con. C'est très con, mais ça me fait rire, parce que, bah voilà, quoi. Ça me fait rire, parce que c'est comme ça. Écoutez, je suis un gros con, ça ne changera pas, c'est comme ça. Voilà. Mon Dieu, pauvre Johan. Ouais, il le mérite. Mais quoi, c'est quoi ton histoire avec Johan Fredo? Pourquoi t'arrêtes pas de parler de Johan Fredo comme ça? Ah là, si vous saviez. Mais c'est facile à savoir en plus, hein. On a déjà parlé 25 milliards de fois, donc. On va accélérer un peu là, avec Vincenzo Nibali, là, parce qu'il est tout seul, hein, le petit. Kwiatkowski tout seul, Michel. Ah oui, non, mais faut accélérer là, on n'a pas le choix. Il faut tenter un petit quelque chose là. C'est pas grave, Moreno, voilà. On est parti, c'est que Nibali, très bon descendeur, on le sait, hein, bien sûr. Donc, voilà. Diego, je suis un petit bidon, histoire de dire que tu sers à quelque chose dans la descente. On est parti avec Nibali. Dans la descente, on est parti. Ouais, c'est encore 12 bornes, attention, hein, bien sûr, je sais bien, mais on est parti. On tente un petit quelque chose, là, avec... tout le monde. On tente un petit quelque chose, là.
s'approche de l'arrivée. Allez, Vincenzo. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, ça. Allez, la petite montée. On est bien avec Vincenzo Nibali, là. Il est motivé. Ah, 25 secondes d'avance seulement. 20 secondes d'avance, ils sont juste derrière, hein. Mais, ah, Katowski qui craque un peu, là. Attention. Ah non, il craque pas vraiment, hein. Il est quoi que... Enfin, je sais pas trop, là. Il est présent, mais il n'est pas très présent non plus. Il est là sans être là, Nibali. Puis du coup, c'est pas à vous de rouler, les gars. C'est à lui de rouler, là. C'est pas à vous, hein. Je suis désolé de vous le dire ça, mais c'est pas à vous de rouler. C'est à Michel de rouler, là. C'est pas aux autres, hein. Ah, Nibali n'a plus de barre jaune, malheureusement. Ça veut dire pour lui, mais... Mais bon, il est parti. Pourquoi il roule la roue, putain, c'est pas à lui de rouler. T'es quatrième, enculé. Voilà, Nibali qui est mort devant. Mais il va remporter la victoire d'étape quand même. Victoire d'étape pour Vincenzo Nibali. Et voilà, roue qui roule plus. Bah oui, c'est ça le truc. Bah oui, c'est Michel Katowski de rouler là. Victoire de Vincenzo Nibali. Yes. Youhou. Yes. Allez, ça fait plaisir, deuxième victoire d'étape. Ça fait plaisir. Et du coup, Michel Katowski va perdre une petite minute. Là, il va faire deuxième parce que c'est le meilleur du groupe, hein, je pense, avec Romain Bardet, oui, Adam Yates, oui. Ah, même pas. Il n'aura même pas de bonification. Si. Eh ben, il a perdu une petite minute. Hein. Nibali, Haru, Katowski, Yates, Bardet, Mentiès, Ulissi, Abeni, enfin, Van Abeni. White et Ravazzi. Ah, bah voilà. Deuxième victoire d'étape pour Nibali. Ouh, yeah. Ah non, ça fait plaisir, là. Franchement, je suis vraiment super content de cette victoire d'étape. Je m'attendais pas, hein, sur une étape 2 comme ça. Bon, voilà. Ah, yes. Bien joué, Nibali. Bien joué, du coup je reviens plus qu'à 30 secondes de lui, même pas, hein, parce que je prends les petites bonifs, donc à 25 secondes, un truc comme ça du genre. On va voir ça tout de suite, à 35 secondes, j'ai vu. 35 secondes, ok. Yeah, Simonis qui perd 2,50 dans l'histoire, lui par contre, ils ont 4,55, 5,22, 6,30, ouais, là, à mon avis, là, ça va être bon pour Nibali bientôt. Hein. Voilà, la 14e étape, une grosse étape de montagne. Et la 15e, pareil, il y en a encore pire d'ailleurs. On s'arrêtera là, je crois, hein, 15e étape. Hein. Ouais, ça. C'est ça. On va regarder vite fait. Oui, c'est ça, il reste celle-là et celle-là après. Voilà, okay, c'est ça. Ok, bah deux étapes de montagne à suivre. Donc, bah, écoutez, je vous retrouve tout de suite. Allez, let's go. Le Giro Italia, il est en cours. Deux étapes encore à jouer dans cette vidéo. Nibali en passe de prendre le maillot rose, hein, très prochainement je pense, un 35 secondes d'avance, ça devrait être bon pour la prochaine étape normalement, à moins, mais c'est un coup dur, hein, d'un moins 5 par exemple, ou autre chose, mais allez, on y croit, c'est parti, 15ème étape, quoi, 14ème étape du Giro, c'est parti, 10 km de l'arrivée sur cette 14ème étape du Giro Italia. Plus 5 pour Vincenzo Nibali, et le maillot rose est à moi. Oui, le maillot rose est à moi, est à Vincenzo, voilà. On accélère direct avec voilà, Nibali, Mentiès. La victoire d'étape ne sera pas à nous, hein. On a 11 minutes d'avant de retard sur les mecs de devant. Mais le maillot rose est à moi, et facilement même, j'ai envie de vous dire, là, avec le plus 5 en plus. Mentiès va en chier pour me protéger, mais c'est pas grave. Yates, Haru qui attaque, mais honnêtement là, il y a non, mais là, le plus 5 de Nibali, tranquille, hein. Offredo. Salut Yann. Il est encore parti à l'échapper, hein, quand même. Alors voilà, la victoire d'étape va se jouer devant, hein, avec voilà, 2 minutes d'avant, à 2 km de l'arrivée, victoire pour Ravazzi. Bien joué à lui, au cours de la Astana. Hein. Le deuxième est très très loin. Mais nous, ce qui nous importe, c'est le maillot, hein. C'est pas la victoire d'étape, hein. Voilà. On va quand même aller célébrer la victoire de Ravazzi, hein. C'est normal. Et Nishimura qui a fait deuxième.
Voilà, victoire pour Lavazzi. Mais voilà, mais comme je l'ai dit, le plus important pour nous, c'est ce qui se passe ici. Voilà, c'est le maillot rose qui se joue, hein. Tout simplement. Pour éviter de bloquer Vincenzo, ce serait cool. Voilà. Merci Mentiès, ça fait le boulot qu'il fallait. Maintenant Vincenzo, voilà. Là, normalement, il n'y a personne de dangereux devant. Attention, on ne sait jamais. Là, il y a Simon Yates, hein, qui est troisième au général. Et qui ne va pas pouvoir suivre. Hein, voilà, il ne pourra pas suivre, c'est impossible pour lui. Allez, on va attaquer avec Vincenzo Nibali. Hop là, le sprint qui fait du bien. Et on va faire quatrième étape. Ben voilà, c'est bien. Nishimura, le l'avant du Nibali. Derrière, les autres sont là, voilà, derrière. Et Katoski, ben voilà, la vraie montagne. Du coup, Katoski ne peut pas suivre, hein. C'est logique, il est là. Il va perdre beaucoup, il va perdre 4 minutes, je pense, sur Nibali. Nibali en rose, on peut déjà l'annoncer, Nibali sera en rose ce soir. Nishimura était très loin, Ravazzi encore plus loin, non c'est bon. Nibali sera en rose à l'issue de cette 14e étape du Giro d'Italia. Et yeah. Mathieu Breschel, dernier étape. Victoire pour l'Astana, encore en tout cas, l'Astana qui fait fort. Une victoire d'échappée, hein. Donc Ravazzi, bien joué à lui. Et donc le classement général va être bouleversé avec Nibali qui va s'emparer du maillot rose. Aucun abandon en tout cas. Et voilà Nibali avec 3 minutes d'avance, mais Katoski a perdu 11 minutes, nous 8. Donc voilà. Car 46, les cartes sont monstrueux, hein. Donc Nibali bien joué. A savoir que la dernière étape de cette vidéo sera la 15e et encore une montagne, une grosse montagne. A noter bien sûr que j'avais fait une reconnaissance des étapes, donc je pense que c'est pour ça que j'ai eu le plus 4. Et que cette étape-là, normalement, fait aussi partie des étapes que j'avais reconnues, donc je pense avoir aussi un plus quelque chose, normalement, en tout cas, si tout se passe bien. Moins 190 000 toujours, mais bon, le Giro n'est pas fini, hein, c'est normal, hein, pour l'instant, c'est logique. Enfin voilà, allez sur ce, 15e et dernière étape de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite donc pour la suite du Giro d'Italia. 34 km d'arrivée sur cette 15e étape du Giro d'Italia. Et... Ah bah non, 0 plus Nibali, j'avais dit que... Bah non, au final... Au final, non, il n'y aura pas de plus quelque chose pour le Vincenzo, non, non. C'est le poulet devant, mais avec moins 3, il est avec Simon Spirak. Derrière, il y a Ravazzi et Duarte, hein, ceux qui attaquent tout le temps aussi. On avait Philippe Gilbert, sa carrière abonnée. Bah là, il y a... Et c'est plus vilain, en même temps, il attaque tout le temps aussi. Hein. C'est normal. On attaque là de Arredondo. Alors, nous, l'histoire là, ça va être de creuser un peu les écarts si on peut, bien sûr. Avec nos adversaires, hein, pour être sûr. Même si le chrono, Nibali, ça me fait moins peur qu'avec Kouam. Hein, Kouam. 69 chronos, là, Nibali 76 plus 71 en plat, donc voilà, les chronos font moins peur avec lui. Allez, on va essayer de rouler le comme on peut, de faire comme on peut, hein, car là ça monte tout le temps, à part une petite descente, vous voyez là rapidement après le col. Mais après, ça remonte direct, donc voilà, il faut se préserver un petit peu, faut pas rouler comme un abruti non plus, ça ne servira absolument à rien. D'ailleurs, mon Moser, il est mort, mais il y a peut-être trois un petit bidon, là. Ah non, c'est mort, le bidon, c'est mort pour lui. C'est mort. Je l'ai envoyé à la mort, là, Moreno. Attends, faut faire gaffe, hein. Voilà, avec le Lavandier, tout ça devant, Adam Yates, Célisson, faut faire gaffe quand même, là. Faut accélérer un petit peu, Vincenzo. Du coup, on a encore plus envoyé à la mort notre ami Moreno. Tant pis, c'est pas grave. C'est qu'un coureur. Je sais que vous aimez quand je suis cruel avec mes coureurs. Mais Nibali va pas t'entasser derrière ce putain d'enculé de Sky là. Voilà, va sur la gauche, tout. Voilà. Et ça rattaque. Les mecs, ils en veulent encore plus.
Et les gars, après, il y a encore plus de 10 bandes de montée, hein. Je vous le dis comme ça, hein, mais attention. Alors que Koenig et Gullis sont morts, il reste plus que Mentis et Mentis avec moins 2, il n'est pas en forme non plus, le pauvre. Pourtant, il me semblait que cette étape faisait partie des étapes qui étaient parmi celles qui comptaient pour la reconnaissance, il me semblait, en tout cas, apparemment non. Vu une note de merde qu'on se tape, visiblement non. Le peloton augmente son allure. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Voilà, on va se calmer un petit peu. Diego, tu vas chercher les bidons, s'il te plaît. Si tu peux, hein. Voilà, il s'est carrément la fait lâcher, super. On va à Koenig alors, non exactement 15 plus. Bon kilomètres bah, à Mentiès alors! Quand même, il est faux ce putain de bidon. Oui, je suis quasiment à fond, mais quand même. Allez, la descente là sera propice à Nibali, on le sait, hein. Nibali est très mauvais sondeur. Je sais pas trop qui est devant, je m'en fous, j'ai pas envie de regarder. Non, non, je me concentre sur mon coureur, moi, je m'en fous un peu de qui est devant au final. Hein. Vous savez, ça aussi, vous le Pour savez très bien. l'instant, la sélection Je m'en s'opère fous par totalement, arrière. moi, de qui est devant. Bah, c'est à Yates, hein. Bah, oui, c'est ça. Voilà, on est bien là avec Nibali, on est bien. Certaines Bon, équipes Mentiès, préfèrent c'est une fini moto pour lui, rapide. Ils ne dommage. doivent pas avoir de coéquipier placé dans l'échappée. On va mettre en auto, hein, tous ces gars-là, on va les mettre en automatique, hein, on va pas se casser le cul, voilà, vous gérez, toi, en auto aussi, et voilà, il reste plus que Vincenzo qui n'est pas en auto, voilà. Allez, encore 15 bandes de montée, hein, et oui, c'est du violent, hein, cette étape, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est pour ça qu'avec Nibali, on va pas rouler trop fort, hein, ça Nous rien, sommes ça rien. maintenant à 10 km Mais qui de l'étape. devant? Voilà, il y a Haro qui est à 5,23. Voilà, c'est Haro qui est à 5,23. Donc, 5,23, pour l'instant, il a une minute d'avance. Voilà, tranquille, hein, on gère, pépère, pépère. On accélérera au fil du temps, quoi. Là, voilà, ça attaque là L'attaque se avec prolonge le entre la Lavandier, Jumbo et Ken Haro. Ilson, Romain Bardet en contre-attaque maintenant. avec Quintana, Yates, Simon. Bah non, c'est Adam. Simon, il est chez Sky toujours, ok. Ouais, Adam, écoutez. Elle dit bon, c'est que de la montée, hein. Donc c'est pour ça que nous, on ne se précipite pas. On va accélérer un tout petit peu maintenant à Sunset. On va y aller par un coup, hein. Vous savez que voilà, parce que vous me connaissez Quant à la maintenant, hein, ligne, ma les façon de Français sont jouer. tout près de l'arrivée maintenant. Moi, si Spilak remporte l'étape, ça me va. Hein. Simon Spilak, il n'y a aucun problème. Il peut gagner l'étape, ça me convient tout à fait. Encore 9 bornes, hein. Voilà, parce qu'il y a 3 km d'écart entre Spilak et nous, hein, donc pas s'enflammer. Faut pas tenir compte de ce qu'il y a en bas à gauche, faut tenir compte de ce qu'il y a ici. Donc voilà, c'est 8 km de montée pour nous. Hein. Ça se bagarre à l'avant. C'est bon, on a repris les petits groupes. C'est Pulveda là qui va être Coureurs repris. entrent dans les Il a 5 pris des derniers points pour la kilomètres de montagne, c'est l'étape. Pulveda, c'est bien. L'équipe Voilà, avance Haro qui va se rapidement au faire repro passage des qui est là, coéquipiers. hein, juste devant Haro. Maintenant, on a même peut-être que 30 secondes d'avance. Eh oui, non, mais nous on jure avec Nibali, hein, aucun souci. 2 km d'écart maintenant hein, avec Ah, la tête ça de fait de course, l'attaque du Simon Attaque de Pulvéda Spilak. dans le groupe. Là, c'est 5 bornes, à 5 km, on va monter à 70. Il y a qui c'est Duarte après? Non, c'est Ravazzi qui est entre les deux. Ok. Voilà, maintenant on monte à 70 km, à 70 efforts. Un petit groupe de 8 coureurs. Ouh, ils vont se faire lâcher. Là, les 8 vont faire un effort pour me revenir sur moi. Et voilà, on est parti avec Nibali et Haro. Mon ancien équipier, Haro. Enfin, c'est pas mon ancien équipier, c'est mon équipier de Nibali, hein, pas moi. Je sais pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, Jackie Reine Taramae a décidé d'attaquer. Voilà, Haro dégage. 1,5 km pour Simon Spilak. C'est bon, c'est gagné pour lui. C'est gagné. On augmente l'effort maintenant à 80. On met le gel. 32 même. Et on va aller voir Simon Spilak qui va célébrer la victoire d'étape de coureur d'AG2R la Et il attaque mondiale. Kenya Taramae. Simon Spilak. Oh là, ce
Il célèbre largement avant son fou du temps, lui, son 38e, voilà, 51 minutes. Victoire pour Spilak, en tout cas, ça fait plaisir. Et Nibali qui va conforter son maillot rose assez allègrement, assez facilement même. Voilà, regardez, derrière, sont très très loin. Hein. Haru, le quatrième, est loin. Puis derrière, sont super loin, les autres aussi encore. Voilà, Nibali à 3 minutes. Haru qui a perdu 1 minute. Voilà, 1 minute, c'est fait. 1 minute 20. Ouais, c'est bon. Victoire pour Simon Spilak devant Ravazzi, Nibali, Haru, Yates, enfin Adam Yates, Redondo, Quintana, Elissand, Mamikin et Le Lavandier. Deux Français dans les 10 quand même. Ça fait plaisir. C'est cool. C'était donc la dernière étape de cette vidéo. La prochaine, ce sera la fin, un petit peu comme pour le... sur le tour des abonnés, là, le tour, la carrière abonnée sur le tour de France. Il restera donc la 16 à 21. Hein. Pareil. Oh, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Nibali mettant largement leader. Hein. Très, très largement leader, même. On voit l'attaque, là, de Simon Spilak. Parti en échappée et victorieux. Bien joué, Simon. Ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce coureur, vous le savez, donc voilà. Y a-t-il eu des... Eh ben oui, il y a eu des RTLA, des abandons avec Kili De Haas, Mati Breschel, Belayou, Bonifacio, Cannesen, Lehart, Blight... ouais. Pour le sprint, quelques forces en moins. 6 minutes 45 d'avance maintenant sur Fabio Haru, Simon Yates est 8-29. Ouais, bon, c'est gagné, on va dire, je pense, ce Giro pour Nibali. À moins d'un gros coup dur, on ne sait jamais, attention. Enfin, voilà, donc si je me trompe pas, oui, ça, voilà. Bah écoutez, bah sur ce, je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve pour la suite des aventures sur la carrière suivie. Team Arkham Pro, Team Arkham Flotte, la suite du Giro Italia, la suite est fin. Et ensuite, nous enchaînerons sur les championnats nationaux sûrement, et après le Tour de France, et après la Volta, et après plein de choses. Non, il y a encore plein de choses, hein. Quand on voit le calendrier, voilà, il y a encore plein de choses. Hein. Il y a le Dauphiné, il y a... des courses comme le Tour de Suisse et des petites courses hein, que je ferai aussi. Ah quoi qu'il n'y a pas de course ici, Bayern là, bah, maintenant on n'a pas de course. Ah c'est des tours, hein, dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait des courses d'un jour. Mais visiblement non, bah tant pis, écoutez. Donc du coup on enchaînera sur un tour ou directement les championnats nationaux, je ne sais pas, nous verrons bien. Bref, pour l'instant, le Giro n'est pas fini. Le suspense n'est pas vraiment là, mais attention, on ne sait jamais, hein. On sait jamais. Allez, sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur la PCM Pro Cycling Manager 2015. Ciao tout le monde.